simplicité. Pureté. Égalité. 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 Simplicité. Égalité, 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 égalité,
Égalité, égalité, égalité, égalité. Simplicité, pureté, égalité. Simplicité, pureté, égalité, 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 oui, 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 oui. Simplicité, pureté, égalité, 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 c'est la fiesta, égalité, ohé, 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 égalité, 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 ohé, 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 égalité, 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 ohé, 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 simplicité, 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 simplicité. Simplicité, simplicité, simplicité. Simplicité, 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 simplicité. 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 Pureté, 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 pureté. Simplicité, simplicité, pureté, pureté, oui, oui, oui. Simplicité, pureté, 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 pureté. Pureté, 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 pureté. Pureté, pureté. Pureté, 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 ohé, ohé, eh, ohé, oh, pureté, pureté, égalité, 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 égalité. Égalité, 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 mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Égalité, égalité, ohé, 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 égalité, égalité. Égalité, l'égalité, se concentrer sur les talents, les qualités de chacun. Ohé, ohé, mais c'est merveilleux, dis donc. Oh là là, les qualités, égalité, égalité, les qualités, les talents de chacun. Chacun a des talents. Oh, dis donc, mais c'est formidable. Je ne savais point. Oh, chacun a des acquis, chacun a des talents, mais c'est merveilleux. Oh là là, et si on s'appuyait chacun les uns sur les autres? Oh, dis donc, mais aujourd'hui c'est merveilleux, j'ai remarqué que tu étais capable de faire ça. Ah, mais j'ai vu que naturellement tu faisais ça, mais c'est génial, je kiffe! Tu me montres comment tu fais? Ah ouais, c'est trop cool! Oh là là, j'aimerais bien acquérir cette qualité, tu veux bien m'apprendre? Ah ouais, je t'aime de tout mon cœur. Oh, je t'aime! Je t'aime.
Je t'aime. Oh, mais dis donc, toi, je te kiffe. Eh, je te connais pas encore, mais je sens que ça va être génial. Oh ouais, je te kiffe. Je te kiffe déjà. Bah, c'est pas grave, on va apprendre. Bah ouais, non mais oh. Bah, bien sûr qu'on va apprendre, et moi je suis sûre que je te kiffe déjà, moi, là, ici et maintenant, je te kiffe déjà. C'est pas grave. Qui a dit ça? Qu'il fallait pas parler aux inconnus? Mais qui c'est qui a dit ça? Qui a répondu qu'il fallait pas parler aux inconnus? Qui a répondu ça? Mais faut pas écouter tout ce qu'on dit. Et le discernement, alors? Voyons, voyons, les amis, le discernement. Oh, mamma mia, che cosa fai, mamma, là, là. Les amis, ah, égalité. Les qualités. Oh yeah, c'est trop génial, ouais. Oh yeah. Égalité, égalité. Ah, mais on se kiffe, j'arrive comme l'égalité. Ah ouais, c'est génial. Ah ouais, c'est génial. C'est l'extase totale. Bah ouais, le point G, figurez-vous, qui peut être pour plein de disciplines différentes. Et que ça peut être l'extase de se kiffer et d'apprendre à se kiffer, d'apprendre à connaître le kiff de l'autre. Ah ouais, mais c'est trop génial. Bah ouais, figurez-vous. Hein? Parce que c'est bien de retourner toutes les choses à l'envers, de mettre à chacun sa sauce, la sauce pas forcément très jolie d'ailleurs. Hein? Voilà. Et bah oui. Alors ça peut être l'extase aussi pour l'égalité, figurez-vous. Ouais. Ouais, l'égalité, l'égalité, l'égalité. Ouais, baby. Oh yeah! I love you too. Alors, simplicité, simplicité, simplicité. Simplicité, simplicité, simplicité. Simplicité. Simplicité, 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 simplicité. Simplicité, 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 simplicité. Simplicité, simplicité, simplicité. Sain. Sain, sain, sain. Sain, sain, sain. Non, c'est pas la paire de seins. Hein. On est bien d'accord? Eh ben, tiens, on va parler de ça. Sain, 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 sain dans la pureté. Oh, mais ouais, c'est trop génial. Sain, 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 sain. Oh, pureté, 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 pureté. Ben ouais, pureté. Pureté. Si on regardait les choses avec un regard pur, 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 pur. Imaginez que votre regard a totalement changé et est devenu pureté. Selon vous, hein, selon vous, la pureté peut être due de milliards de façons. Milliards de millions de ce que vous voulez. D'accord? À votre échelle. À votre échelle, qu'est-ce que ça veut dire la pureté? La pureté. La pureté. La pureté. La pureté. La pureté. Qu'est-ce que ça veut dire? La pureté. Selon vous, là, tout de suite, imaginez que votre regard est imprégné de la pureté. De la pureté sainte. Peu importe votre culture. Peu importe votre religion. Peu importe vos croyances, on s'en fiche, contre-fiche. Pureté est un mot universel. Égalité est un mot universel. Ok. Et la suite, c'est universel aussi. Voilà. Trois petits points de suspension. Alors, peu importe le vocabulaire. Quand on apprend, par exemple, je sais pas, une langue, n'importe. Ouais, une langue. Les langues polyglottes. Mais c'est génial, ça. Et si on devenait polyglotte du cœur? Oh mon Dieu! Ou peu importe, Dieu, ce que vous voulez, vous mettez le nom que vous voulez. Oh mon univers! Oh mon énergie! Oh mon tralala! Oh, mais c'est merveilleux! Je kiffe!
C'est génial, simplicité. Pureté. Égalité. Simplicité, simplicité, simplicité. Simplicité, simplicité, simplicité. Simplicité, simplicité, simplicité. Simplicité, simplicité, simplicité. Simplicité, 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 simplicité. Pureté, pureté, la pureté, la pureté, pureté. Pureté. Pure, pure, pure. Tout à l'heure, on disait peu importe les croyances, blablabla, tralala. Maintenant que vous avez votre idée de la pureté, si vous ressentiez, parce que c'est bien les idées, hein, et si on ressentait, ressentir, c'est le cœur. Si vous ne ressentez pas, vous n'êtes pas dans le cœur. Là, je sais qu'il y en a déjà qui s'y... Je suis désolée de vous dire, le ressenti, c'est un constat. C'est un constat énergétique. Le ressenti fait partie du cœur. Si vous ne ressentez pas, vous n'êtes pas dans le cœur. C'est un constat. C'est scientifiquement constaté par les énergies. Voilà, c'est la règle des énergies. C'est ainsi. C'est comme 2 plus 2 fait au fond 4. Hein. Pourquoi ça serait pas autre chose? On a dit que c'était 4. Et ben voilà, c'est pareil. C'est pareil. Hein, je suis désolée de vous dire. C'est un constat énergétique que voilà. En fait, nous déclarons que dans cette réalité-ci, par rapport au cœur, à l'échelle du cœur, nous constatons que le ressenti faisait partie intégrante du cœur. Voilà. Et que du coup, un ressenti, partie intégrante, fait partie, en tout cas, du cœur. Et voilà. C'est comme ça. Et que donc, si vous ne ressentez pas, vous ne pouvez pas être dans le cœur. Mais ben non, ça va pas ensemble. C'est comme l'égalité. L'égalité, il faut ressentir. Ressentir qu'il y a une possibilité d'aimer l'autre. Oui, on ne connaît pas, mais la possibilité. Il y a une petite éventualité, voyez-vous. Voilà, une éventualité. Comment on pourrait dire ça? Une hypothèse. L'hypothèse que peut-être ça peut bien aller entre nous. Ouais, ça peut être super cool. Et pour une hypothèse, comme toute hypothèse qui se respecte, il faudrait peut-être vérifier. Vérifier par soi-même. Et que dans les vérifications, il faut passer à l'action. Et que dans ce cas-là, on va vers l'autre et on va lui dire « Eh, pilouk !» Il paraît qu'il y a une possibilité, peut-être de s'entendre, ou au moins essayer de parler, ou peut-être essayer de trouver des points communs, ou juste me dire ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, c'est cool. Hey, poto. Ouais, c'est vrai, j'ai pas été super cool avec toi, mais bon.
Bah, j'ai envie de faire un effort, c'est vrai, quand même, j'avoue, je suis partie un peu du mauvais pied et j'ai décidé de faire des efforts. Et dans ce cas-là, c'est pas très facile, hein, ça va pas changer du jour au lendemain, c'est sûr, hein, essayons quoi. Si on pouvait, alors essayer, c'est pas faire semblant, essayer, c'est pas prendre l'autre pour un. Non, on essaye vraiment, on ressent avec le cœur, voilà. On fait pas des entourloupes à l'autre, hein, sinon ça marche pas. Non, ça compte pas si on fait des entourloupes. Hein. Le but, c'est pureté, simplicité, égalité. Et la pureté, en général, ne fait pas d'entourloupes. Hein. Voilà, ça aussi, c'est un constat énergétique. Hein. Donc, la mauvaise foi et tout le tralala, ça ne marche pas. Désolée. Voilà, voilà. Donc, on fait avec l'amour du cœur, l'ouverture du cœur. Quand on ressent, on s'ouvre. Si on ne ressent pas, c'est qu'on est fermé. Porte à clé, verrouillé. Il n'y a plus personne. Barricadé. Et là, en fait, c'est tout l'inverse, quoi. Le cœur, c'est plutôt l'ouverture. Et c'est pour ça que ça peut faire mal. Et en fait, on ne veut pas ouvrir son petit cœur parce qu'on a peur d'avoir mal. Bah ouais, mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça. Donc, simplicité, pureté, égalité. Et voilà, voilà, nous passons au petit jingle. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Oh yeah baby. Et coucou, nous revoilà pour simplicité, égalité et pureté, 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 pureté. Pureté, 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 pureté. Oh, pureté, yeah. Oh, douce menthe d'amour. Ça sent bon. Oh, j'adore la menthe. Ça sent bon, dis donc. Alors, il y a sentir avec son petit nez. Il y a sentir qui peut être utilisé pour dire, pour parler de l'intuition. Et il y a le ressenti. Ouh là là, le ressenti. C'est pas le même degré. Il y a le senti et le ressenti. Ah tiens, c'est une bonne réflexion ça. Dis donc, qu'est-ce que t'en penses toi? Senti. Ressentir. Ah, c'est un. Ah, ouais, 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 on n'y avait pas pensé à cette subtilité, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est marrant hein, quand même, les mots. Ouais, vocabulaire, sentir, ressentir. Déjà, rien que le re, on se dit qu'il y a une étape. Ouais, il faut passer une étape là. Il faut passer un cap pour le re. Rien que le re. Alors, attendez, il y a un obstacle. Je suis tranquille en train de sentir et d'un coup il y a re qui arrive. Ressentir, oh mama, l'obstacle du siècle. Pam pam pam. Eh, n'empêche qu'il y arrive, hein, c'est des warriors. Hein. Ta 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 ta, les warriors, mais du cœur. Attention, ce n'est plus les mêmes subtilités qui rentrent en jeu là. On est d'accord. Da di da pum pam bidou, yeah. Sentir, ressentir. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est pas très joli dit comme ça. C'est vrai. Hey, salut poteau, je suis vrai. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être vrai. Ouais. Il y a peut-être une possibilité qu'on serait. Qu'on s'entende, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Viens, on va ressentir ensemble. Ouais, on va ouvrir nos petits cœurs ensemble. Yeah, baby! Égalité, fraternité, eh, eh. Égalité, fraternité, égalité, fraternité, eh.
égalité, fraternité. Égalité, fraternité, égalité, fraternité. Sororité, fraternité, sororité. Peu importe, on s'en fiche. Hein. Ça, qu'est-ce qu'on va dire ? Sororité ou fraternité ? Ah mais franchement, c'est un casse-tête ! Alors, je suis féminine ou je suis masculine ? Ah, punaise ! Ah non, mais c'est le débat du siècle, hein. Là, j'ai envie de vous dire, je sais pas, quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas ce qu'on est ? Ah, mais franchement, et en fait, le féminin et le masculin, c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport à notre petit physique ? Ou c'est par rapport à d'autres choses ? Non, mais c'est vrai, hein, parce qu'on en parle, mais au final, on sait pas vraiment ce que c'est, hein. On fait des guerres, on fait des bonnes... Voilà, tout ce qu'il faut, hein. Et en fait, on sait même pas ce que c'est, quoi. Non, mais franchement, quand même, les amis, faut peut-être réfléchir avant de se taper dessus. Faites des câlins à la place, c'est vrai, pourquoi ? Si vous réfléchissez pas, faites des câlins. Eh ben, au moins... Eh, c'est plus cool pour tous, hein, j'ai envie de dire. Bah, vraiment. Bah, ou sinon, quitte à faire des guerres, réfléchissez pourquoi vous faites la guerre, au moins. Parce que bon, je suis sûre que si on demande à la plupart, ils savent même pas pourquoi ils se tapent dessus. Hein. Ah, ils vont dire peut-être des trois trucs. Ah oui, c'est pour ci ou pour ça. Mais c'est que des mots, hein. Ils savent pas vraiment, hein, ce qu'ils font, en fait. Hein. Alors, j'ai envie de dire qu'on a un cerveau, quand même. Et que le cerveau, il est quand même là pour passer des étapes. En fait, oui, sinon ça sert à quoi ? Ça sert à quoi toutes nos théories, nos hypothèses, nos scientifiques et blablabla ? Ça sert à quoi ? S'il faut pas passer d'étapes, s'il n'y a pas un minimum de croissance. Non, parce que bon, quitte à régresser, autant se faire des câlins, hein, c'est plus doux. Hein. Personne n'aime se faire mal, personne n'aime souffrir. Non, mais on est bien d'accord. Eh ben alors, l'égalité, un point commun pour tous. Personne n'aime souffrir. Et j'en sens certains, là, j'en ressens même, j'en sens avec le pif, l'intuition. Et je ressens aussi qu'il y en a certains qui disent « Ah oui, mais les masochistes, c'est quoi alors ?» J'ai envie de dire qu'ils n'aiment pas forcément souffrir. Et que ça, on peut en parler, mais au fond, ils n'aiment pas souffrir. Hein. Voilà. On pourra argumenter un autre moment. Mais pour le moment, on ressent qu'est-ce que ça fait l'égalité, qu'est-ce que ça fait la douceur, qu'est-ce que ça fait les câlins, qu'est-ce que ça fait de ressentir avec son petit cœur une possibilité que l'autre soit un pote. Bon, allez, on va pas dire pote... Un autre soi. Se dire que finalement, ça nous ressemble bien. On a un corps, on a un cœur, on a des idées, on a un vocabulaire. On a plein de points communs. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait voir Qu'est-ce qu'on pourrait voir Au-delà du superficiel, hein, parce que tout ça, c'est que des trucs qu'on voit avec les yeux. Et c'est peut-être là la subtilité du cœur. C'est qu'il perçoit. Ah ah, il ne voit plus, il perçoit. Ah ah, tout à l'heure déjà, il faisait le re. Il se la proutait là, prout prout avec son re. Il y a sentir et ressentir. Et maintenant, il perçoit, il ne voit plus. Ah ah ah. Et vous voyez, il y a des stades de subtilité quand même. C'est génial, n'empêche, quand on y réfléchit. Hein, quand on réfléchit. Ah, oh, c'est génial. Donc, où en étais-je ? Pureté, pureté, pureté. Égalité, égalité, égalité. Simplicité. Simplicité. Pureté. Égalité. Simplicité. Pureté. Égalité. Simplicité, simplicité. Simplicité, simplicité. Simplicité, simplicité.
Simplicité, 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 simplicité. Pureté. Égalité. L'âme, 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 âme, 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 âme. Simplicité. Simplicité. Âme, simplicité. Âme, simplicité. Âme. Simplicité, âme, simplicité, âme, simplicité, âme, simplicité, âme, simplicité, l'âme, simplicité, âme, simplicité, l'âme, l'âme, encore un point commun de nous tous qui avons une âme, l'âme, l'âme, l'âme. Une âme des cycles, l'âme, une âme des cycles, l'âme, cycle incarné, l'âme, l'âme, incarnation, l'âme, égalité, point commun, qualité. L'âme, 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 âme, 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 l'âme, 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 âme, 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 l'âme, l'âme, âme, âme, l'âme. Am, 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 am. La communication pure, pureté. Am, am. La communication pure, pureté. Am, am. La communication pure, pureté. Am, am. L'âme, 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 l'âme. Pureté, l'âme, l'âme. L'âme, 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 pureté, âme, l'âme, 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 vam, 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 sentir l'âme, l'âme, l'âme,
Lam, lam. Savez-vous que sentir va avec un autre trait, on va dire, avec une autre capacité? Eh oui, dis donc, quand on sent, n'aurait-on pas des fois le goût dans la bouche? Eh oui, le goût va avec l'odorat. Sentir va avec goûter. Goûter va avec sentir. Et s'il n'y a que l'un ou s'il n'y a que l'autre, déjà, je sais pas si c'est vraiment possible. Ça peut arriver dans certains degrés. Disons que c'est plutôt ce qu'on perçoit qui est à des degrés différents et on peut avoir l'impression de plus sentir ou de plus goûter. C'est subtil, là. On ne peut pas vraiment dire que l'un va sans l'autre. Et que même des fois, quand on croit qu'il n'y a que l'un ou que l'autre, il y a quand même l'autre dans les parages. Mais on ne le perçoit plus. Eh ben oui, parce qu'on ne ressent plus. Alors l'autre est minimisé. Et ça fait des dégâts, hein, j'ai envie de vous dire. Mais on ne les voit pas avec nos petits yeux, les dégâts. On les voit pas tout de suite. Et on attend qu'il y ait un gros problème, que le physique fasse des dérapages gigantesques pour faire comprendre qu'il y a un petit problème depuis un moment. Voili voilou. Sentir l'âme, l'âme. Simplicité. Ah, je crois qu'il y a une petite communication pure qui veut se faire entendre. Que dites-vous, très cher? Nous vous écoutons, âme. Que se passe-t-il aujourd'hui? Oh, j'ai quelque chose de merveilleux à vous dire. Très, très, très bien. Nous vous écoutons, âme. Nous sommes tout ouïes. Alors, j'ai envie de dire que je suis pour l'égalité. Ah d'accord, mais c'est génial. Et vous pouvez nous en dire plus, peut-être? Égalité, c'est le chant de l'amour. Ah bon? Eh ben alors, il va falloir nous expliquer ce que l'amour vient faire là. Oh, l'amour, c'est la résonance. Ce n'est plus la raison, raisonner avec la raison. Mais c'est la résonance, c'est résonner, c'est vibrer. Oh, vibrer, d'accord. Et quelle importance a cette vibration pour vous? Oh, mais ça donne de l'ampleur à la communication. Ah bon, ça donne de l'ampleur, comment ça? Mais oui, eh, ça ne nous fait pas pleurer quand même, hein, de l'ampleur. Moi, j'ai envie de rire, hein, j'ai envie de dire. Non, de l'ampleur. C'est ça que ça prend, des proportions. Comme les dégâts prennent des proportions, mais l'amour peut prendre des proportions. Ah bon? Mais c'est génial, ça! Et est-ce que ça se mesure? Parce que bon, j'ai envie de dire des proportions et tout ça, est-ce que ça se pèse? Est-ce que ça... Voilà! Ça se pèse... Je dirais plutôt ça se berce. D'accord, très bien, ça se berce. Bercer, c'est pas plutôt avec Van Van? Il me semblait. Qui est-ce qui berce? C'est Van Van! Bien sûr! Ah, le chakra sacré est vraiment très très important par rapport à ça. C'est ce qui amène la douceur. Et avec le cœur qui résonne, ça donne de l'ampleur. Quel duo magnifique! Et moi, âme, je suis fort contente avec ce duo merveilleux. Ah d'accord, très bien. je suis ravie. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin? Oh non, un mot de maintenant. D'accord, un mot de maintenant. Résonnons.
tonton dans une berceuse. Tonton, tonton, ham, 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 ham. Oh, l'égalité. Oh, mais c'est génial. Eh, ça va bien avec les hugs, non? Eh, ouais, ce mouvement-là, ça fait pas câlin. Mais si, c'est génial. Eh ben, sachez que c'est votre petit Vam Vam qui est en action. Vam Vam, deuxième chakra. Et qui est en action, mais pas tout seul. Hein. L'égalité, c'est pas tout seul. On est en un. Non, l'égalité, c'est à plusieurs. L'égalité, eh ben, c'est avec Yam Yam. Yam Yam, c'est ce qui résonne. C'est le petit cœur qui ressent. Parce que c'est bien hein, de se bercer par Vam Vam. Mais si tu ressens pas, ça sert à quoi? Tu t'es pas posé la question que si ça servait à quelque chose, que tu te berces, gna gna gna, hein? Même ceux, on va pas faire de dessin, hein, qui prétendent à outrance certaines choses. Ah ouais, c'est super. Et si vous ressentez pas, ça sert à quoi? J'ai envie de dire. Vous perdez de l'énergie, hein? Après, il y en a qui disent, mais non, ça donne beaucoup d'énergie. Eh ben non, ça, c'est une illusion, mes chéris d'amour. Il faut avoir des stades de subtilité pour que ça donne de l'énergie. Je suis désolée de vous casser votre trip. Hein. Bon, bref, suite au prochain épisode. Et donc, Bam Bam, qui est en train de bercer, là, qui fait des hugs et tout. Ah, yeah! Bam Bam, en action avec Yam. Et oui, qui ressent, qui vibre, et qui donne la parole à la tourtée. Oh, la communication pure. Communication pure. Qu'est-ce que ça veut dire, la communication pure? On se demande bien ce qu'elle nous raconte de la nana encore. Elle nous parle de trucs de pureté, de communication. Mais qu'est-ce qu'elle est folle, celle-là? Non! Qu'est-ce que c'est la folie d'abord? Il y a des stades de folie, j'ai envie de dire. Hein? Eh ben ouais, il y a des degrés dans tout. Hein? Alors, suivons la folie d'ici et maintenant. La folie douce. Oh, la folie douce qui est bercée par Vam Vam. Oh, yeah, yeah, yeah. Et qui résonne, et qui prend de l'ampleur avec Yam Yam, petit cœur d'amour. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Oh, c'est magnifique. J'adore. J'adore. J'adore, j'adore. Mais c'est magnifique. Oh, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons dans communication pure. Am, 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 am. Oh, c'est magnifique, l'égalité. Ce trio merveilleux de Vam. Number two, de Yam. Number four, et de Ham, first. Aïe, 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 mamma mia, et c'est le cinquième élément qui rentre en jeu, qui fait tonitruant, bim, bam, boum, am, qui est content parce qu'il résonne avec Yam, et en plus, il y a une petite berceuse de Vam, alors tout va bien, mais c'est magnifique, hein. Que demande le peuple, les loulous? Déjà, rien qu'avec tes trois chakras, déjà, mais c'est des merveilles. Eh, vous le saviez pas, ça, hein? Juste avec trois, on en a sept principaux. Sept principaux. Et après, on en a bien plus. Mais déjà, trois. Et quand on les combine bien, vous voyez un peu le must, quoi. Non, mais c'est génial. Donc, petit résumé. Vam Vam, qui fait la berceuse, qui fait les hugs, qui fait la douceur. Voilà, qui ramène un peu de douceur. Qui dit, viens là, viens dans mes bras, viens, je te fais un câlin. Oh, viens, je te fais un gros câlin d'amour. Et puis, en général, les câlins, bah, il y a l'espèce de balancier, là. Balancier, voilà, comme ça. Et mais qui dit balance, dit équilibre. Et Yam Yam, il aime bien. Il fait balancier, balancier, mais attendez, j'arrive. Non, mais, oh, eh, vous faites la fête sans moi. Non, mais vous déconnez. Eh, Yam Yam Yam. Eh, il est content, là. C'est la fête, c'est Yam Yam, quoi. Attention. Alors là, il est en duo, mais de choc. Et en duo de choc avec Vam Vam, là, c'est l'extase. Et puis, il y a Am qui la ramène quand même. Ah, mais je suis là, moi. Oh là là, communication pure, maman. Je veux
vais le dire à tout le monde là que c'est l'égalité. Je suis content. Eh bien, que demande le peuple? Vous imaginez à chaque instant ça? Eh, ça change les choses. Non, vous trouvez pas? Mais bien sûr que ça change les choses. Tout le monde est d'accord. Et même si vous n'êtes pas d'accord, vous allez ressentir qu'il y a quand même un petit changement, qu'il y a quelque chose qui fait que c'est pas mal ça quand même, c'est cool, n'est-ce pas? Enfin, bref. Et petit jingle du moment. Bim bam bidou ta tra la 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 ah 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 bam yam am lam bam am 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 lam yam 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 yam. Et nous reprenons maintenant pour simplicité, pureté, simplicité, pureté, simplicité, pureté, égalité. Et oui, le ressenti passe aussi par le toucher. Et oui, le toucher d'amour. Alors attention, pam, 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 on ne touche pas comme ça là, on fait pas, hey, je t'ai touché là, hey, non mais pousse-toi. Non mais oh, non, ça c'est pas le toucher d'amour. Toucher d'amour, il faut déjà qu'il y ait eu l'hypothèse, l'hypothèse de l'éventualité, voyez-vous, l'hypothèse éventualité, peut-être. Peut-être que une petite faille, un petit brin d'ouverture. Ensuite, il peut y avoir peut-être le toucher d'amour quand tu fais par exemple un câlin. Eh bien oui, il y a le câlin et le câlin. Vous ne saviez pas ça. Tintin, je vous en apprends des trucs. C'est qu'il y a le câlin, il y a le câlin. Ah, c'est pas pareil, câlin et câlin. Non, c'est pas pareil du tout. Et on le voit pas. On le sent et ressent. Pam, 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 duo de choc de Vanyam. Vanyam ensemble. Ils sont ensemble, égalité. Pas l'un ou l'autre. Ah non, l'un ou l'autre, ça fait pas pareil. Et si l'un est tout seul et voilà, hein, l'un ou l'un, l'autre ou l'autre, si tout seul dans son coin, ça fait pas les mêmes. Ça le fait pas quoi, ça prend pas. Non, on aura beau y faire, ça prendra pas. Ben non, c'est comme une pâte. Comme votre pâte à crêpes, hein. Ça prend ou ça prend pas. Eh ben oui, c'est un juste milieu, c'est le ressenti qui va donner de l'ampleur aux choses et qui va faire que ça ne donne pas pareil. Oh, ressentons ensemble. C'est marrant, regardez. C'est la respiration, dis donc. Et la respiration, on la sent et on la ressent. Et là, par exemple, on sent, mais on ressent qu'il y a un truc qui est bloqué là. Ouh ! C'est bloqué là. On sent, par exemple, quand on a le nez bouché, on sent qu'il y a un problème. Et après, avec le ressenti, on peut ressentir qu'il y a un problème autre part. Essayez ça. Comme ça. Oh, nez bouché. Je sens qu'il y a un problème. Ça, c'est sentir. Je sens qu'il y a un problème. Parce que je sens plus ou je sens ou je sens pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je sens qu'il y a un problème. Ensuite, il y a ressenti qui fait percevoir
que le problème est peut-être ailleurs. Ah, tintintin, subtilité, niveau du dessus. Poum, 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 et on les met ensemble. Égalité. Hug. Vam et yam, ensemble. Ils disent, allez, faut s'épauler là. Parce que là, on a bien compris qu'il y avait un problème, mais on ne sait pas où. Ah ah, et on va essayer de chercher le trésor là. On va chercher le problème. Ouais, 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 ouais. Parce qu'on va pas rester comme ça. C'est quand même couillon de rester comme ça. Mais on est bien d'accord. Allez, viens. On va aller ensemble. Et on dit que l'union fait la force. Alors, hop, 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 du hot shot. Tan, 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 tan. On va chercher le problème. Tan, 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 tan. Du, 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 du. Et puis, on se fait un petit câlin au passage parce que c'est toujours plus chouette. Ouais, 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 ouais. Bam est trop content, là. Pou, 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 yo. Ah, ouais. Tiens. Ah, bon, là, ils sont en pleine recherche. On a quelques minutes. Ils sont en train de rechercher les soi-disant problèmes. Mais qu'est-ce qu'un problème? C'est vrai, qu'est-ce que c'est un problème? Bon, on va partir de la définition suivante. Petit truc qui bloque. Voilà, on va partir de cette définition très simple. Petit truc qui bloque. Mais si ça bloque, c'est que c'est pas forcément très chouette. Et qu'en général, on est quand même fait pour être fluide. Ça aussi. En général, non mais en général, d'accord, c'est toi qui le dis, hein. Général de quoi? D'abord, d'où tu sors ça? D'où t'as pêché ça encore? Hein, tu me l'as trouvé des alouettes, ça? Eh ben ouais, c'est un constat énergétique aussi, figurez-vous. Voilà. C'est ainsi. C'est des réalités, d'autres réalités, et que chaque réalité a son constat, et ses trucs qui marchent ou qui marchent pas. Et que là, c'est un constat qui fonctionne plutôt, et que même si on le voit pas, ou qu'on le perçoit pas, bah, ça reste une réalité qui vous fait des petits blocages à l'intérieur de vous, que vous le vouliez ou non, réalité par réalité, que vous le vouliez ou pas. Ça bloque quand même. Donc, du coup, c'est quand même un constat. Hein. C'est quand même du concret, quelque part, si ça bloque quand même, qu'on le veuille ou non. Hein. Alors, autant aller chercher, ensemble, dans l'égalité, et se dire, bon, il y a une couillonnade, là, quand même. Là, on constate qu'il y a un truc, on ne le perçoit pas, on ne comprend pas, on dit d'accord, mais il y a un blème. Alors, on va voir. Bon, on va creuser un petit peu. Bon. Ah. Oh, lumière. Oh, bah oui, parce que quand on est dans le cœur, attention, le percevoir. Percevoir anime un autre chakra. Ouais, ouais, troisième œil. Oh, om, om. Et content, il fait, oh là 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 là, j'ai vu des étincelles là. Oh, oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, yam yam, au taquet là, dis donc. Je vais aller voir ce qui se passe, ding dong. Bam 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 bam, boum. Lumière. Et oui, le om-om, le discernement, quand il est équilibré, je précise, parce que s'il n'est pas équilibré, ça fait illusion totale, camouflage total. Mais bon, là, il y a yam-yam, il est déjà bien dans le percevoir, il est bien dans l'augmentation, là, il résonne à fond. Alors, il y a om qui est au taquet, qui fait « Attendez les gars, là, vous m'avez pas invité, je vais vous mettre de la lumière, je vais vous mettre les watts pour la fête, ta 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 ta. Et alors là, ça met l'extase totale sur tout ce qui a été fait juste avant. L'égalité et tout, c'est la fête pour tous. Mais c'est pas génial tout ça quand même. Eh, c'est génial comme histoire, vous n'êtes pas d'accord? La fête pour tous, tout le monde est invité. Oh, c'est merveilleux quand même. Eh, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de prise de tête avec le portier là, le veilleur, la veilleuse d'ailleurs, hein. Il la met en veilleuse justement, voilà, donc c'est porte ouverte, voilà, c'est gratuit, c'est une super ambiance, ah non mais c'est trop génial, en plus il y a les câlins en prime, ah non mais attendez, que demande le peuple, sérieux, ah, ding 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 ding, om om, ding 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 ding, om fait la lumière, et de temps en temps on peut le DJ avec Vam Vam, voilà, et ben voilà. Bon, bah, vous savez ce qu'il reste à faire, hein. Je vous fais un petit bisou. Avec égalité, simplicité, pureté. Oh yeah! Allez, mettez les watts, mes petits bichons. I love you, I love you.
wah, 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 wah. I love you, wah, 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 wah. I love you, I love you, égalité, égalité. I love you, yum, 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 yum. I love you, I love you, I love you, van, 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 van. I love you, I love you, I love you. Om, 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 a-am, a-am, am, om, 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 o-am, a-am, am. Lam, 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 lam.